parlé avec presque tout le monde en fait, avec des grands spas, avec des hôtels, avec des magasins, avec des petits salons aussi très jolis. C'est vraiment superbe expérience pour nous. Super, oui, on est vraiment très contentes. Oui. C'est incroyable. On a vu que les visiteurs sont très sélectionnés. Nous pensons que l'action de marketing de votre organisation, de l'organisation de la foire, c'est très efficace. It's a very good exhibition, it's very large, and it's in Paris. La clientèle qu'on a pu, ou du moins les prospects qu'on a pu rencontrer jusqu'à maintenant, je ne dis pas qu'ils sont extrêmement nombreux, mais ils sont de qualité. Et je pense que c'est la qualité que nous cherchons avant tout, avant le nombre. On n'est pas là pour faire du volume. Donc ça, c'est la première chose. Et depuis les deux années, pour prendre les deux dernières années, les gens qu'on a pu rencontrer et le salon en lui-même ont fait qu'on a réussi à obtenir un bon taux de transformation. Parce qu'il n'y a pas seulement que des bons contacts sur la France, mais aussi des distributeurs étrangers. Nous sommes une maison qui exporte les 80% de la production et pour nous c'est aussi très important. Je pense qu'entre autres le Spa Summit est une bonne opportunité pour les hôteliers de venir un petit peu se cultiver sur le sujet. On a un métier tout jeune, même si on génère 50 milliards de dollars dans le monde de chiffre d'affaires aujourd'hui, alors qu'il y a 10 ans on en faisait 995 millions. Oui, la marge de progression est phénoménale, mais aujourd'hui le spa est un tout petit milieu où tout le monde se connaît et nous avons plaisir effectivement à pouvoir nous rencontrer. De beaucoup d'hôteliers l'ont dit aujourd'hui et puis effectivement Beyond Beauty nous a permis de créer ce European Spa Summit à notre échelle et selon nos envies. Ça, c'est assez, je pense, adressé sur les marchés spa, ces pavillons. Je pense que c'est assez bien fait, oui. Non, je ne les changerai pas.